nom, on s'en tombe, tombe. Barça, Barça, Barça. Ah là là, sacré Riles, on l'accueille au Barça quand il veut. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 6 joueurs qui, normalement, seront vendus par Yoann Laporta durant le mercato d'été. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler que ce dimanche 28 mars 2021, à 19h heure française, je serai en live avec Loguito sur ma chaîne Massian Gaming. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez nous rejoindre pour parler de tout et de rien. Ce sera un live sur FIFA avec vous, les abonnés, avec nous. Donc, venez nous rejoindre si vous voulez participer au live avec nous. Retour à nos moutons, on parle donc de 6 joueurs qui normalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, devraient être vendus durant ce mercato d'été par Yoann Laporta. Comment ça, quelles sont mes sources? J'ai pas à me justifier. J'ai l'impression que je suis en garde à vue. J'ai pas à me justifier. Non, mais plus sérieusement, l'info nous vient du média Sin Concessiones, média local à Barcelone. Mais de toute façon, média ou pas média à Barcelone, ce n'est un secret pour personne. Le Barça a besoin de vendre pour pouvoir acheter. Et même pas uniquement pour acheter, parce que la situation financière du Barça, voilà, un peu inquiétante. Bartomeu a failli couler le club, comme je l'ai dit souvent ici, avec des transferts galactiques, des salaires faramineux offerts à des joueurs qui ne devraient pas toucher autant d'argent au Barça. Mais bon, heureusement, papa Laporta est de retour à la maison. Il va normalement arranger tout ça. Moi, j'ai confiance en lui. Donc, parmi ces 6 joueurs, le premier à être vendu serait normalement Philippe Coutinho. Je pense que c'est évident que Coutinho va partir, parce que pour ceux qui ne le savent pas, en plus, si Coutinho atteint un nombre minimum de matchs avec le Barça, ben, on devra verser une somme supplémentaire à Liverpool. Donc, non seulement Coutinho, il n'est pas indispensable au Barça. Qui ici? Est-ce que toi, qui regardes cette vidéo, Coutinho, tu ressens son absence depuis sa blessure? Non. Et pourtant, Coutinho, c'est le troisième salaire le plus élevé du club. Normalement, le joueur qui a été le plus cher de l'histoire du Barça, troisième salaire du club, est censé avoir un impact plus important que ça. Lorsqu'il est absent, on est censé le sentir, mais ce n'est absolument pas le cas. La dernière fois, mon ami Stan de la chaîne Outsiders m'a posé une question. J'ai vu Massian sur Twitter, j'ai trouvé ça très très drôle, franchement. Massian était sur Twitter en train de dire c'était une belle journée, parce que le Barça est en train de gagner, c'est bien, mais au-delà de ça, je pense qu'il disait aussi que Antoine Griezmann, sa cote et son prix va augmenter. Donc du coup, dans l'éventualité, j'imagine qu'ils vont le vendre. Mais j'ai une question à vous poser, vous les Catalans. Je sais. Mais Griezmann, vous allez le vendre à qui? Vous allez le vendre à qui? C'est-à-dire, qui est fou aujourd'hui pour venir acheter Griezou? Franchement, Griezou est en train de se gérer de temps en temps. De temps en temps, il se gère. Griezou, franchement, il est très difficile à juger en ce moment, parce que ses prestations sont en dents de scie. Des fois, elles sont excellentes, des fois, elles ne sont pas bonnes. Aujourd'hui, il a fait un bon match, il a réussi à claquer son but, c'est bien. Mais même dans l'éventualité où Griezou, il finit la saison là en claquant 10 buts, ok, vous allez le vendre à qui? À moins qu'il gagne l'euro, peut-être. S'il gagne l'euro, il fait un euro de malade, tout ça. Antoine Griezmann, penalty, on est ensemble. Peut-être qu'à ce moment-là, les gens vont venir. Mais pour le moment, sincèrement, il y a tellement de joueurs plus intéressants sur le marché des transferts. Il y a tellement de joueurs plus jeunes que aller claquer 80-90 millions sur Griezmann, franchement, c'est une perte de temps. Désolé, Massian. Alors Stan, je suis d'accord avec toi. Pour Griezmann, on n'a pas encore trouvé de fou pour investir autant d'argent. Mais pour notre ami Coutinho, figure-toi qu'il y aurait des gentlemen du côté de Londres, plus précisément Arsenal, ton club, qui sont très fortement intéressés pour acheter Coutinho. Donc merci pour tout. Franchement, vous êtes des frérots, Arsenal, si ça se fait. En plus, en prime, vous aurez du flow dans l'effectif. Alors, pour remplacer Coutinho numériquement dans l'effectif, selon toujours le même média, le plan de la direction serait de faire monter Alex Colliado. J'ai déjà parlé de lui dans une vidéo précédente. Parmi les joueurs de la B qui pourraient avoir leur chance la saison prochaine, je l'ai dit, Colliado, il va avoir 22 ans cet avril. Donc s'il ne monte pas en équipe première durant la saison prochaine, moi je le vois tout simplement partir du Barça en prêt, ou même partir tout simplement, à surveiller. Le second joueur de cette liste, toujours selon Sin Concessiones, serait Samuel Umtiti. Là encore, ce n'est un secret pour personne. Aujourd'hui, même en passant à une défense à 3 avec la blessure de Piqué de surcroît, bah, Koeman préfère passer par Frenkie de Jong comme défenseur central plutôt que Samuel Umtiti. Le message ne pouvait être plus explicite que ça. Samuel Umtiti n'est plus désiré par la direction du Barça et par Koeman, donc je pense qu'ils vont lui trouver une porte de sortie durant ce mercato d'été. Et son remplaçant devrait être toujours, selon le même média, Eric Garcia, qui devrait arriver prochainement gratuitement du côté de Manchester City. Le troisième joueur de cette liste est bien sûr Miralem
Miralem Pjanic, ou devrais-je dire Miralem Pjanic après le vaccin, parce que je refuse de croire que le Miralem Pjanic qui joue au Barça cette saison, c'est le Miralem Pjanic que j'ai vu à l'AS Roma, le Miralem Pjanic que j'ai vu à Juventus, c'est un tout autre joueur, Miralem Pjanic qui se fait prendre sa place par Ilex Moriba, et même aujourd'hui il est derrière Riqui Puig, c'est dire donc à quel point sa situation est grave au Barça. Je pense qu'il a encore une bonne valeur marchande et donc la direction mise sur lui pour apporter un peu d'argent. Et j'imagine bien que le joueur lui-même va essayer de trouver une porte de sortie, faciliter son départ pour aller trouver des minutes ailleurs. Parce que pour l'instant, il ne joue pas et je ne pense pas que ça changera la saison prochaine. Donc Pjanic va nous rapporter de l'argent pour renflouer les caisses. On va surveiller ça. Bien entendu, le quatrième joueur de cette liste, c'est bien évidemment Martin Nazario Braithwaite, qui a marqué d'ailleurs avec sa sélection hier. Franchement, c'est un frérot Braithwaite parce qu'il participe à faire monter sa valeur marchande lui aussi. Donc je pense que lui, ça ne sera pas compliqué de le vendre en Angleterre à un club comme Everton, Fulham, etc. On verra bien comment ça va se passer pour son cas. J'espère juste qu'il aura un hommage à la hauteur de son talent. Parce que voilà, on n'a pas la chance de voir une légende comme ça jouer dans son club tous les jours. On avance avec le cinquième joueur de cette liste, c'est Neto. Alors Neto, déjà durant le mercato d'hiver, Neto, si vous vous rappelez bien, il a voulu partir du Barça. Il voulait partir du Barça parce qu'il en avait marre de rester à couper les oranges sur le banc, à voir Ter Stegen enchaîner tous les matchs. En plus, le pauvre, il s'est blessé assez récemment. Je pense qu'il est absent pendant 2-3 semaines. Imaginez, le type, il joue jamais en plus. Il se blesse de surcroît. Forcément qu'il est dégoûté, il veut se barrer. Donc Neto, déjà, c'était encore une fois une masterclass, disaster class, je veux dire, de Bartomeu, parce que c'était... Là encore, un échange avec Valence, échange dans lequel on a inclus Cillessen. Cillessen qui est un excellent gardien, une doublure qui aurait même pu concurrencer Ter Stegen, qui le concurrençait, je pense, même dans certains matchs. Mais bon, Cillessen, je pense qu'il voulait aussi partir. Mais c'était totalement inutile d'aller chercher Neto en échange comme ça pour lui donner un salaire que les jeunes comme Iñaki Peña et Arnaud Tenas ne touchent pas. D'ailleurs, la direction de Laporta compte remplacer Neto par les deux, à voir lequel des deux sera promu pour être le second gardien du Barça. Et ça, c'est ce qu'on aurait dû faire depuis le départ de Cillessen, parce que depuis, qu'est-ce que Neto a apporté de plus ? Pas grand-chose, et pourtant, je pense que ce qu'il a fait depuis le départ de Cillessen, Arnaud Tenas et Iñaki Peña auraient pu très bien le faire pour beaucoup moins d'argent. Ça nous aurait permis d'économiser encore plus d'argent sur les salaires. On passe désormais au sixième et dernier joueur de cette liste. Il s'agit bien sûr de la légende Matheus Fernandes. Vous ne le connaissez pas ? Asseyez-vous, je vais vous expliquer chronologiquement pourquoi est-ce que vous ne le connaissez pas. La réponse est toute simple. Je n'en ai absolument aucune idée. Pour avoir des réponses à ça, il va falloir le demander à Bartomeu, parce que jusqu'aujourd'hui, personne ne sait qui est Matheus Fernandes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça fait partie de la filière, la magouille brésilienne de Bartomeu. Tout ce qu'on peut dire de Matheus Fernandes à ce jour, c'est que c'est un joueur de 22 ans qui n'a joué quasiment aucun match avec le Barça, sauf une fin de match en Ligue des Champions, me semble, un bout de match. Et ce joueur-là, dites-vous bien qu'il nous a coûté 7 millions d'euros. 7 millions d'euros pour un joueur fantôme, et qui, de surcroît, n'aurait même pas sa place au Barça B selon les préparateurs physiques du Barça. 7 millions d'euros par la fenêtre alors que nous sommes en crise financière. Franchement, Bartomeu, c'est pas uniquement la prison qu'il mérite, mais la prison accompagnée de coups de fouet tous les soirs avant de se coucher. Alors, cette liste, évidemment que ça reste des informations de journalistes, donc va falloir les prendre avec des pincettes, mais ça donne une indication sur le ménage qui attend le Barça durant ce mercato d'été. Moi, je pense que de toute façon, Laporta, il a les compétences pour faire ce qu'il a à faire. Plus des ventes, évidemment qu'il va falloir renégocier pas mal de salaires qui sont beaucoup trop élevés, surtout dans notre situation financière. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ces joueurs-là qui seraient en partance, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Et n'oubliez pas que ce dimanche 28 mars, je le rappelle, on sera en live avec Loguito à 19h heure française sur la chaîne Massian Gaming. Le lien est en description. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.